Alors, tu veux jouer avec quoi? Bah, moi j'hésite entre cette team-là. Ouais, allez, c'est parti. Ah bah j'hésite pas alors. Non, pas d'hésitation. Alors. C'est bien parce que nous on est tellement malins qu'on choisit nos teams à chaque fois avant de re-regarder. Je veux dire, on pourrait se dire, ah finalement on l'utilise pas. Ah ouais, il y a Aegislash, on se sert pas de cette team. Non, c'est pas grave, bon. C'est bon, c'est bon. Sonic Jaune, c'est la méga évolution. Et Sonic Chromatique, c'est Shadow. Bon, finalement, les gens. Salut Trine! 8-8-8-8-8. Il est de quel type, le Pokémon Sonic? Il est de type rapide. Type rapide, oui, voilà. Il est de Les type types gagnant. speed. Les types gagnants. Gagnant speed. Vu que c'est Sonic l'électronique, il est type électrique. Ouais, mais c'est Sonic le Fantastique. Il est type fantastique. Il est type sourire aussi. Non, il est pas type sourire, il a pas des petits points noirs en guise de Dieu. Idole de métal. Idole de métal. Bon, moi je fais ça. Moi, je j'ai pas le choix. Je fais ça. D'accord. Pas C'est de pas choix. gentil pour moi. Ouais, je sais. Mais... Désolé. Crisser sa forme à Lola. Non, Mais non, c'est pas non, du non. tout la même chose. Ah non, non, C'est non. Silver, il a une forme Silver et une forme Chris. Oui, voilà. C'est Silver Chris. d'Alola. Chris, c'est le. Voilà. Non, non, ou alors C'est Silver, c'est la forme Chris d'Alola, je ne sais pas. la forme Chris d'Alola. Oui, mais non, mais c'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire, du coup. Mais Sora et demi se protègent. Oh, tu l'as pas tué. Ah, mais non, il a fermeté, je crois. Oui, voilà. Oh, ah oui, d'accord, ok. Aucune chance. J'aime bien comment le Draco feu qui vole, il a un petit mouvement de genre. Ah, et ça m'embête, hein. Ah, ça m'embête, hein. Mais je voyais plutôt Nazo en forme Alola. Le Kraken. Bon, bah, moi je continue. C'est vrai? Oui. Bon bah alors moi aussi. Mais ça va rien lui faire en fait. Mais c'était surtout pour lui. Oui, bah, il continue quand même. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais il est sérieux le Sora? Ah, il triche! C'est juste pour lui que je fais cette attaque en plus. C'est pas grave, mon attaque ne t'affecte pas. Et puis le Sora, il est toujours pas mort. Bah, en même temps. Il a beaucoup de défense, c'est pour ça. Je suis là juste pour être là. Non, Azure Origins, Non. ressaisis-toi. Oh, on s'en doutait pas. Merci fouille. Merci fouille, c'est une nouvelle façon de dire merci. Je vois, je vois. Ben, j'ai toujours pas le choix, je Il suppose. énerve mon Kraken, faut le comprendre. Tu vois, il y avait Sissi, il disait, ah, ce serait bien qu'on ait de la chance pendant le combat. C'est bon, il a eu sa chance. N'importe quoi. Ça me rappelle quand je faisais des combats trio dans blanc et noir avec mon Arcanin Intimidation, mon Fenard Sécheresse et mon Dracaufeu Force Soleil et qui arrivait, qui faisait canicule et en un tour j'avais tué les trois en face et du coup la personne elle quittait le combat. Et moi j'y meurs pas, hein. C'est bon. Give up. Ah oui, je vois, je vois. Ouah, t'as tué le machin? Désolé pour toi. Lou la tricheuse. Comment ça, Lou la tricheuse? Elle fait rien. On dirait qu'elle faisait déjà racheter des gens.
J'espérais au moins placer Antise, quoi. Ouais, mais c'est à cause de Sora. Il faut blâmer Sora, le gars. Il est tout le temps en train de spammer des attaques pour se protéger. Et en plus, il évite les attaques quand il doit mourir. Du coup. Faut attaquer. Tu vas avoir du mal. Ah bah oui, mais en même temps, fallait pas spammer garde royale tout le temps. Parce que si il avait pas spammé garde royale, au pire Exagite serait mort, au mieux il aurait tout de suite fait apparaître ses autres Pokémon pour supporter. Avec nuit de poudre, j'aurais dû le prendre comme ça, Mimi aurait rien fait. Ah oui, j'allais dire, il a pas méga évolué, mais si, si. Je regardais le chat en même temps, mais visiblement, le simplement regarder le chat, lire trois phrases, c'est bon, c'est la cinématique de la machin est passée. Oh, on a plus de feu! Ah, désolé. On avait une attaque, on avait une technique infaillible normalement! Alors, tu vas t'en sortir. Non. Oh, mais t'es sérieuse? Bah Mais ouais. t'es sérieuse? Mais c'est bon, t'inquiète pas. T'avais pas besoin de switcher. Ah bah tu m'as pas prévenu. On n'a pas fait un regard pour Plein savoir ce qu'il fallait faire. de Pokémon feu, c'est beau. Bon, bah voilà, merci pour le combat. Il n'aurait pas que des Pokémon de type acier, c'est un champion de type acier. Il y avait un site qui permettait de faire son top par type. Non, non, nous on a utilisé un autre truc en Nous, fait. on utilisait un site qui permettait de voter. En gros, ça te faisait une liste de tous les Pokémon. C'est toi qui choisis comment tu veux ta liste. Par génération, par type, par machin, par bidule. Est-ce que tu veux les formes équivalentes, machin, bidule. J'avais envie de retenter cette team-là parce que. Attends, j'y étais pas. Parce que moi, je veux jouer avec lui. Ok. Du coup, c'est laquelle C'est en déjà? bas. C'est elle, oui, ok, ça marche. Bref, et donc du coup, on disait que par exemple, on voulait que les Pokémon de type normal, et après, il faut cliquer sur les Pokémon que tu préfères. Enfin, ça fait des. On peut faire par deux contre deux en vote. On faisait un espèce de tournoi de qui était notre Pokémon normal préféré. Ouais, c'était rigolo. Je partagerai le lien si vous le retrouvez. Oui, bah je l'ai peut-être encore en fait, vu que j'ai pris des screens de tous ceux, de tous les Pokémon que j'aimais bien. Peut-être que je l'ai encore. Hey, tiens, tu sais quoi? J'ai encore pas regardé ce qu'on allait affronter, hein. Ah, par Encore, contre, le site il est en anglais. On va affronter Gardevoir. on va affronter un Aegislash Il y a encore. aussi des Evoli. Et un Arcanin Intimidation et un Xerneas. Allez, bonne chance. Merci. Ah bah le voilà, le Arcanin Intimidation, justement. Ah bah il y a un passant qui me provoque en duel. Ah, il a pas Intimidation, ouais, il est gentil. Cool pour toi. Oui. Moi, j'attaque lui. Ouais, j'espère que tu veux le toucher. Du coup, je sais pas si... Je sais pas. Bah après, tu peux toujours faire voilà ça. Sinon, tu pries. Je sais pas quoi te dire. Ouais. Là, c'est Galette. Non, c'est sablé, je crois. Ouais, non, je crois que c'est sablé, oui. Vas-y, Alicelle! Oh, Milu G2. Ah, il s'appelle Milu G2. Oui. Allez. C'est peut-être un arcanin cœur Ah, et bah noble. voilà. Hein, on a malchance encore là. C'est pas grave, Milu G2, il s'est pris des cailloux, lui, ça va. J'en ai marre de ce jeu. Pourquoi vous faites ça? C'est bien, on fait des T'as attaques. raté que j'ai raté Déflagration. Et vous avez fait la même chose sur le même Pokémon. C'est nul. Désolé, au revoir, moins risqué. Je t'aurais gagné quoi. Ah oui, mais bon, le jeu, il a dit non. Le jeu il triche tout le temps. Allez, vas-y. Oh.
Bah tiens, le Xerneas. Du coup, t'as quoi, toi? Moi, j'ai ça. Ouais, bon, bah, je vais te laisser faire ça, et moi, je vais faire ça sur ça. Ok. Ouais, c'était ça, Oui, voilà, c'était Matt Dolly. Dragonfly Cave. Vas-y, Riju. Rouge. Ah, bah, qu'est-ce que t'as fait mal? Je suis un peu désappointé, Rouge. Mais elle est encore jeune Ouf. et c'est pas une guerre d'eau expérimentée. Pauvre Rouge. Non, moi, ce que j'aimerais bien Ah, trop faire. bien, un Coréen me provoque en duel. Ah, bah, trop bien. Moi, ce que j'aimerais bien faire comme arène du conflit pour rigoler, c'est une arène du conflit où tout le monde ne joue que métronome, mais je sais pas à quel point c'est faisable, quoi. Bah, le problème, c'est que. C'est que les gens, Ils ont pas un métronome, ils ont pas forcément. forcément métronome. Il a pas d'herbe pouvoir. Si, il en avait une. Bah j'ai bugué. Si, il en avait une. Bah s'il avait une herbe pouvoir. Ah oui! Non rien. Je savais pas que ce Pokémon pouvait méga évoluer. Oh bah Lucario, Gouplin, c'est la même team que nous en fait! Ah, mais oui, bon, bah. On y va à fond, Bah tous les deux, hein, hein. Ouais, on oui. n'essaye pas de Ouais, comprendre. non, non. Allez! Ah, oh, j'ai fait mal, c'est bon. Bon, bah, moi, je pense que c'est RIP pour moi, hein, Vous du devez coup. faire à l'arène du conflit une arène spéciale Evoli. C'est vrai que c'est faisable aussi. Oh, psycho. Sur Lucario. Et Lucario, il a tenu? Mais oui! Ah, il est trop cool, Alicelle. En même temps, ça fait partie des meilleurs monstres. Donc voilà. On a le droit à un japonais, attention. Un Milotic japonais. Un Milotic japonais? Bon. Tu peux faire quoi, toi? Alors moi je peux faire ça ou ça. Moi, Ou ça. je peux faire ça. Ah, ok. Et du coup. Alors du coup, c'est mieux que je lui fasse Bah, ça. ça dépend à quel point t'as confiance en toi, quoi. Bah j'ai que ça à faire. D'accord, bon, moi, si t'as confiance en toi, alors. Prenez des Voltaï pour vaincre les Aqualis des Ocarinite, si vous avez. Bah, le problème, oui, voilà, c'est que du coup, faire des combats d'Evoli, ça fait revient un peu à faire des combats aléatoires quand même. Regarde. Ah, t'as réussi! Et oui. Et en plus, Bien. j'ai fait un coup critique. J'ai laissé aucune chance. Bien joué, Riju. Ça lag, non, bah. C'est la petite 3DS, quoi. Oh, regarde. Petite fée. Elle est mignonne. Et toi, tu veux l'attaquer? Bien sûr. C'est pas gentil, elle est Je mignonne. préfère. Et je Les préfère morses gagner. des Et je sables. préfère gagner. Oh là, t'as pas de goût, Riju. Regarde, au moins, elle avait une B. Vous pensez que vous arriverez à gagner des Metronome Battle? Ah bah c'est là tout l'intérêt des Metronome Battle. Bah oui, c'est rigolo. Justement. C'est là que tout est l'intérêt d'utiliser le bon objet. Mais lui, il a eu la première 3DS sortie en France. La première, À la carrément. À la la première, ça première. rigole pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est les premières 3DS qui sont sorties en France. Bien joué, Laure Du coup, elle est très vieille. et Et Mohamed. Mohamed. Mo. Mohamed, voilà.